Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le match entre la RDC et le Soudan avance également à grands pas. Ce match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 au Stade de Martyrs. Ce match aura lieu à 17h le 9 septembre prochain. Un stade qui attend à accueillir 80 000 personnes pour pousser les léopards de la RDC. Entre temps, la Fédération Congolaise de Football Association continue avec la sensibilisation de supporters pour l'achat de maillots ensemble avec Illico Cash, avec les tombolas qui se poursuivent après Sainte-Thérèse. C'était le tour de Pigeon, Biza Pigeon, dans la commune de Ngaliema, d'accueillir la tombola de Nico Caché a fait coffin pour le gain de maillot. Plusieurs Congolais, plusieurs supporters ont encore remporté de maillot le samedi dernier. Je vous propose d'écouter Jado Mwanda qui est l'un des responsables de cette tombola. Bon, la deuxième étape c'était prévu pour l'EMBA, mais vu qu'il y a eu un problème administratif, on a pu quand même gérer pour permettre aussi aux amis de Ngaliema de participer à la tombola. Voilà pourquoi est-ce que c'était pour nous une occasion de venir les assister via le kermesse qui est déjà ici à Binza Pigeon. C'était vraiment du tout feu tout flamme. On a senti que tout le monde était mobilisé. Certes, il y a beaucoup de demandes, mais nous nous sommes dit on va respecter la procédure comme c'était promis, de passer dans différents districts et rendez-vous le 26 à Bandal au terrain Louputa. Et le 2, peut-être c'est là où nous allons passer vers Rond-Point Willery, comme on a promis pour les amis de Lukunga en général, Rond-Point Willery. Et nous allons récupérer la partie dont on n'a pas pu réaliser de l'EMBA au terrain GD pour nos amis de Mouamba, parce qu'on doit quand même faire en sorte que toute la population se retrouve autour de l'initiative qu'a pris la FECOFA et Illico Cash pour nous permettre à ce que de satisfaire tout le monde. Jado Mwanda, allez, on va parler. Très chers abonnés, bonsoir. Nous vous retrouvons une fois de plus pour le tirage du tombola Illico Cash FECOFA. Pour aujourd'hui, on reçoit le coach Sébastien qui est ensemble avec nous pour essayer un peu de lui-même d'être comme un témoin, voir si réellement ce qui se passe aujourd'hui à travers Illico Cash est réellement vrai. Bonsoir coach. Bonsoir. Et vos toutes premières impressions Je suis très très heureux de pouvoir être là, de pouvoir soutenir cette initiative. On a besoin de beaucoup de soutien et le samedi 9 septembre et puis sur les autres matchs. Je sais que tout le monde est en attente, tout le monde aime le football congolais. Je suis vraiment très heureux d'être ici pour soutenir l'initiative et espérer en tout cas faire gagner des maillots qu'on verra sur le stade le 9 septembre. Voilà, trêve des commentaires. La présence du coach prouve à suffisance que l'homologation du stade de Martyrs a redonné encore de la confiance, la joie à tout le monde et que c'est confirmé pour ces 9 septembre au stade de Martyrs. Tous, soyons nombreux pour soutenir les léopards de la République démocratique du Congo déjà. Avec votre porte-monnaie électronique Illico Cash, participez massivement dans cette tombola pour vous permettre de s'en procurer de maillots de l'équipe nationale. Trêve des commentaires, nous allons lancer notre tirage. C'est parti. Voilà, ça tourne. Qui sera parmi les 50 gagnants
d'aujourd'hui, nous allons vivre ensemble avec vous grâce à Illico Cash. Voilà, c'est Mamoussi Mbemba Patrick. C'est le tout premier gagnant de notre tombola. Félicitations à toi, Mamoussi. Rendez-vous à Illico Store déjà pour retirer votre maillot de l'équipe nationale. Coach, félicitations, c'est le premier. Donc, bienvenue dans la... dans la grande famille des nouveaux maillots de l'équipe nationale et des Léopards. Vraiment. Allez, pour la deuxième personne, le deuxième gagnant. Voilà. Ça tourne déjà. À qui le prochain tour? Voilà. C'est Mangwala Muzama Luizon. Félicitations à toi, Mangwala. Coach, c'était notre deuxième gagnant de la soirée. Un petit mot, parce qu'on doit vous libérer quand même. Vous avez... Non, mais on espère bien sûr rendre fiers les Congolais. En tout cas, on va tout faire sur le terrain pour montrer une bonne image du football congolais. Et puis, on a besoin donc de soutien. Et puis encore félicitations pour l'initiative. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Hein. Merci. À qui le prochain tour, c'est parti. Ça tourne. Voilà, Wemboloa, félicitations à toi, Wemboloa, rendez-vous à Illico Store pour le retrait du maillot. Nous allons continuer, hein. Qui va se retrouver à la quatrième position, c'est parti. Voilà, ça tourne. 1, 2, 3, voilà. C'est le quatrième gagnant de la journée, Kaosi Loa. Loi, il s'est imposé. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, grâce à son imposition, il gagne le maillot de l'équipe nationale. On continue. 5-1. Voilà. Ça se passe qu'ici, hein, nulle part ailleurs. Avec Illico Cash, vous avez le maillot de l'équipe nationale. Rien qu'à 700 francs congolais. Voilà, Ange vient de gagner son maillot. Ange Mondele, félicitations. Rendez-vous le lundi à Illico Store. Sixième. Voilà. Ça tourne. Mbala Régis. Félicitations à toi, Régis. Le sixième gagnant, c'est Mbala Régis. On continue. Voilà. Ça tourne. Je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui hein, pour nous suivre en direct. Kabuya Yasmine, félicitations Yasmine pour avoir gagné le maillot de l'équipe nationale. Ça fait plaisir, ça fait du bien. On continue. Voilà, c'est le huitième hein, si je ne me trompe pas. Voilà, ça tourne. Kudia Juvenal, félicitations. Rendez-vous à Illico Store pour le maillot de l'équipe nationale. À la neuvième position, à qui le prochain tour? Ça tourne. Moussaka Manassé. Félicitations à toi, Manassé. Donc, rien qu'avec Illico Cash, ça vous a permis aujourd'hui de gagner, de remporter les maillots de l'équipe nationale. À toi de choisir le couleur de ton choix. Donc, on continue. Dixième position. Ça tourne. À la dixième place, c'est Mujinga Naomi. Félicitations Naomi. Rendez-vous à Illico Store. Hein. Donc soyez nombreux pour le retrait de vos maillots.